Les amis, alors aujourd'hui c'est le week-end, je vous emmène avec moi. On est sur la High Line, mon endroit préféré, donc c'est la voie ferrée qui traverse Hudson Yards et Chelsea. On peut aller directement au Chelsea Market et là je veux absolument aller à Little Island. Ça faisait un an, j'y suis allée il y a un an, j'avais adoré. C'était un parc sur pilotis au niveau du Hudson River et c'est vraiment splendide. Donc voilà, on est sur la High Line, il y a des millions de personnes, comme tous les jours, mais vu qu'il fait beau aujourd'hui, il y a encore plus de monde et de touristes. Donc voilà, on est en mai et voilà, ça fait vraiment du bien de voir le ciel bleu, de la verdure et des arbres. Donc je vous emmène avec moi et on passera un super week-end à New York. Enfin sur Little Island, c'est vraiment pour moi le plus bel endroit de New York. C'est vraiment très vert, très fleuri. On est en plein Manhattan, on a la vue sur l'eau, la vue sur Downtown. Et voilà, énormément de fleurs et d'arbres. C'est vraiment splendide, ça fait énormément de bien. Beaucoup de bien qu'il fasse enfin chaud, malgré la pluie la semaine dernière. Et donc voilà, on profite, on se promène. On est donc sur un parc sur pilotis au bord du Hudson River et ça a été financé par la designer de mode Diane von Fürstenberg et son mari Barry Diller qui ont mis des millions pour ce parc et qui ont voilà, tout donné à la ville de New York et c'est somptueux. Little Island, franchement l'architecture est juste incroyable. Ça a forme de plusieurs champignons, en tout cas c'est très très beau, très sympa, c'est gratuit, tout le monde peut venir tous les jours, c'est vraiment très plaisant, il y a des concerts gratuits de juin à septembre, donc voilà, possibilité de venir tous les jours et très très sympa. Alors les nouvelles pour moi, je pars au Maroc, je pars à Rabat dans quelques jours. Pour une semaine seulement, je vais profiter de ma maman, je vais passer une semaine avec elle et mon mari, j'en ai tellement besoin, un petit peu fatiguée de New York, de la pluie, du mauvais temps, du ciel gris, et voilà, alors grande nouvelle, on repart à Los Angeles dans 2 mois, j'ai vraiment hâte, j'ai profité de New York, on a passé 6 mois, mais voilà.
Le temps est fini à New York et j'ai hâte de retourner à Los Angeles. On est chez DVF, chez Diane von Furstenberg. J'adore cette boutique. On est au Meatpacking District, c'est un de mes quartiers préférés à côté de Chelsea. La boutique est incroyable, elle est vraiment splendide. Il y a plein d'endroits instagrammables dans la boutique. Les murs, c'est très coloré. C'est vraiment, j'adore. Voilà. On peut prendre plein de photos ici. Il y a un photomaton juste derrière moi. Et c'est super fun, très très beau et voilà, c'est un petit paradis en boutique. Bonjour à tous, aujourd'hui donc on est dimanche, il est 14h, on va aller déjeuner dans un restaurant italien, c'est un des meilleurs restaurants du West Village. Donc je vous emmène avec moi, on va se promener, on adore ce quartier, le West Village. Les immeubles sont plus bas, il y a plus de soleil qui passe, plus de ruelles trop mignonnes, de ruelles marchandes, avec des petites boutiques pleines de charme. Donc voilà, on découvre avec vous The West Village et on va aller déjeuner. On est dans le restaurant Raffaele, donc un restaurant italien vraiment super mignon à l'intérieur, trop beau à l'extérieur. Donc je vous mets dans la confidence, demain c'est l'anniversaire de mon mari, je l'emmène dans un restaurant rooftop, il ne sait pas du tout où on va, mais c'est une surprise pour lui. Mardi, on part au Maroc, à Rabat, une semaine, donc vraiment une petite semaine. C'est la première fois qu'on arrive à Rabat. Moi, ça va faire 10 ans que je n'y suis pas allée. J'ai juste trop hâte. J'ai vécu 4 ans à Rabat, j'ai travaillé, j'étais dans l'événementiel et j'ai tellement hâte de retrouver Rabat. C'est vraiment la ville la plus propre du Maroc. C'est très très joli, c'est clean, c'est très mignon, beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres et j'avais surtout besoin de me reposer et de voir un peu de beauté, de verdure. Donc voilà, j'ai hâte, une semaine très intéressante qui s'annonce. Thank you.
On vient de rentrer du West Village, on est chez moi sur mon rooftop. On va aller, on va prendre le soleil ici, on va se relaxer, prendre un petit verre et ensuite on redescend à la maison. Donc voilà, on a passé une super journée. Demain, c'est le dernier jour avant le voyage et l'anniversaire de mon mari. On va rien faire de spécial, juste un déjeuner et ensuite aller à l'acupuncture. Donc voilà. Voici mon rooftop que je n'ai jamais montré, qui est très 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 sympa. On peut voir le New Yorker pas loin, alors juste derrière, est-ce qu'on le voit d'ici? Ouais, juste au-dessus de ma tête en rouge, il me semble, avec un corbeau qui m'observe. Et on est de l'autre côté de mon rooftop. Là, on peut très bien voir le New Yorker, l'immeuble tous les immeubles vraiment incroyables, l'architecture incroyable de New York. Et le Hudson River par là. Et le Empire State Building par là. Voilà, au-dessus de ma tête. J'ai une chance incroyable d'avoir un mari qui donne beaucoup et qui ne s'attend jamais à recevoir quoi que ce soit. Imagine, tu te lèves, t'as encore la tête dans le cul, pardon du langage, et tu vois un petit sac sur la table du salon avec une carte. Tu comprends que c'est pour toi, et là, la surprise est d'autant plus grande car tu ne t'y attendais pas du tout. C'est quelque chose qui m'est resté de mon enfance, de mon papa, qui chaque année écrivait sur une feuille A4, en gros, « Joyeux anniversaire !» et qui glissait sous la porte à la première heure pour que son message soit vu en premier. J'avais trouvé ça tellement mignon, mémorable, simple et efficace. On vient d'arriver au rooftop restaurant Versa. C'est au 5e étage de l'hôtel Renaissance. C'est super joli. Je pense maintenant que c'est plus sympa la nuit avec les lumières de la ville, mais ça reste très agréable. Il fait super chaud, ça fait tellement du bien. Donc voilà, je vous emmène avec nous. On va déjeuner. Voilà, après, bon, je pars à l'acupuncture. Demain, j'ai mon avion pour Rabat. Et je vous dis à très vite pour le prochain vlog et j'espère que vous avez aimé passer le week-end avec moi à New York. Je vous embrasse et à très vite à la semaine prochaine.